Bonjour les toqués, je suis avec Elodie. Et moi je suis très contente d'être avec vous. Et toqués, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais très très bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo spéciale. Donc c'est un vlog, comme vous le savez, j'adore partager plein de choses avec vous. Donc je vous amène au salon du chocolat à Paris. C'était les 25 ans, j'ai également rencontré Momo du meilleur pâtissier. J'ai pu lui poser quelques questions sur les coulisses du tournage. Et vraiment c'était une très belle rencontre. En tout cas, au niveau du son, je tiens à m'excuser parce qu'il y a tellement de monde. On a dû s'isoler avec Momo, mais on entend un petit peu de bruit derrière. Donc, je tiens à m'excuser pour ça. Et donc, c'est parti pour le vlog. Petite dégustation de chardonnay au chocolat belge. Ça sent super bon à noisette. Je vais goûter. C'est super bon. On dirait même pas de l'alcool. C'est hyper bon. Faut essayer. Juste avant, en fait, on nous a donné une petite fraise pour rincer le palais. Parce que comme on est dans un salon de chocolat, on mange que du chocolat. Pas altérer, je suppose, le goût du chardonnay au chocolat. Et franchement, c'est super bon. Je regarde pas d'avoir goûté, moi qui aime pas trop l'alcool, et c'est nickel. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut t'appeler Momo? Bien sûr, c'est comme ça qu'on m'appelle. Bonjour les toqués. Bonjour les toqués. Je suis avec Elodie. Et moi je suis très contente d'être avec Mohamed parce qu'il est très gentil. Franchement, il est comme à la télé, il est super cool. Merci Elodie. Et en plus, il m'a permis de lui poser d'autres questions avec par grand rapport au meilleur pâtissier. La première question que j'ai à te poser, c'est comment tu as fait? Puisque c'est toi qui t'as.
Alors pour moi, en fait, c'est eux qui sont venus me chercher sur mon compte Instagram. Voilà, j'ai un petit compte Instagram et quand j'ai reçu le message pour postuler, je me dis c'est quoi cette arnaque, j'ai 80 followers, c'est que mes amis, pourquoi moi? Pourquoi Et donc de fil en aiguille, on a discuté avec la personne et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'aventure. Voilà, c'était une belle occasion. Et après, tu as eu quoi, le casting, la passion, Alors, il y a eu cette première étape de contact. Une fois que j'ai accepté de participer, on passe par plusieurs étapes. Il y a un premier contact dans les studios de M6 où on présente un gâteau signature à nous qui sera goûté par Benoît Pauvrant. Donc là, la pression, elle est directe. Après, on nous fait une petite interview devant caméra pour voir comment on réagit devant une caméra, si on est à l'aise ou pas. Une fois que ça s'est fait, après, il y a le fameux testing. On est en conditions réelles. C'est comme une créative. On a un temps imparti, un sujet imparti. Et donc 3h30, comme en condition de tournage, avec les journalistes, les caméras. Et si on réussit ce test-là, après il y a le rendu aussi, la qualité pâtissière n'est pas juste la condition importante. Ils n'ouvrent pas une pâtisserie, c'est une émission de télé. Donc il faut aussi être naturel, il faut être bien, gérer tout ça. Et... ça met la pression quand même quand tu fais un casting, parce que tu te dis, si tu réussis, tu vas pouvoir... Exactement. Bah, alors déjà, ce n'est pas quelque chose de naturel pour nous tous, n'importe quel client, se retrouver devant une caméra, sous les projecteurs, avec des questions qu'on nous pose. C'est pas facile. Moi, j'ai de la chance de par mon ancien métier animateur de me trouver devant des photos tout temps d'enfants, des trucs comme ça. Donc moi, ça me gêne pas le regard des autres et que j'oublie. Je me concentre sur ce que je suis et ce que je fais. Ça se voit, c'est naturel. Il n'y a pas de cinéma où on voit bien. Ah non, bah ça, il n'y a pas. Naturel, ah, il n'y a pas plus naturel que moi. Donc voilà quoi. Donc pour moi, ça a été un peu plus facile, mais je peux comprendre. Ça peut être difficile pour certains. Il faut un certain temps d'adaptation pour gérer la caméra, les questions, pâtisser en même temps. Aussi, voilà. Bien sûr qu'il y a un stress. Mais moi qui suis très cool, il y a un stress, il y a vraiment un stress. Est-ce qu'on peut recourir des fois dans l'émission ? L'histoire de ma vie, ça courir. Non, mais parce que je courais, parce que, en fin de compte, moi ça fait que 8 mois que je faisais de la pâtisserie avant l'émission, donc je perdais du temps, et le seul moyen de rattraper, je cavale pour aller chercher un outil, pour aller chercher un ustensile. Et le temps passe très vite aussi. Et le temps passe très très vite aussi. C'est ça la plus grosse difficulté, une fois qu'on a géré le stress, les caméras, tout ça, c'est de gérer son temps. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ça passe. Surtout que tu ne connais pas le temps, il reste une heure ou... Alors le... quand même une montre, Non, on n'a pas de montre, on n'a aucune notion du temps, c'est eux qui nous donnent quand ils veulent le temps. Alors des fois on est là, on est bien, on dit on a du temps, donc on nous dit il reste 10 minutes, et là c'est comme un coup de pied dans la ruche et PAH! Et là, c'est... ça monte très haut. Ah là, ça monte, ouais, là vraiment l'impression elle devient intense là, vers la fin. D'accord. Et moi je disais franchement avant, j'ai regardé l'émission de l'année dernière. Et quand je vois, c'est du cinéma ça, les 10 dernières secondes, les gars qui posent la déco, la dernière feuille, voilà, c'est quoi ce suspense? Et en fin de compte, c'est vraiment ça. Moi, il m'arrivait plusieurs fois dans le compte à rebours des 10 dernières secondes, en train de, voilà, à l'arrache, en poser mes décos comme ça, c'est vraiment ça la réalité. Hein. C'est vraiment ça. Voilà. Une question un peu plus dure. Aïe. Mercotte ou Cyril? Moi? Ouais. Coup de cœur, Cyril. Ah, d'accord. Cyril, il a essayé. Qui est le plus dur? C'est pas une question dure. Bon, on va dire... ça va, dur. Je reconnais, ta question, elle est dure. Elle est dure. Je dirais... Allez, Mercotte un peu. Mercotte un peu... Voilà, plus pointilleuse. Cyril, notre aspect d'animateur, il l'accepte un petit peu. Mais bon, par contre, plus on avance, moins il est cool. Voilà, on est crème, et après ce qui reste, c'est un monde en pyramide un peu. Mais ça reste mon coup de cœur, Cyril. D'accord, voilà. Une belle rencontre. Ah oui, franchement, moi, je l'ai beaucoup apprécié, et il m'a apprécié aussi. Franchement, c'est super. En plus, je lui ai donné des frissons. Ah, franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde à faire frissonner, c'est Cyril. Hein. c'était cool. Voilà, franchement, il est cool. Moi, j'ai bien aimé le personnage. Et une autre question, quand tu t'es dit dans ton groupe, parce que des fois, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ça t'est arrivé ou pas? Oui, bien sûr que ça m'est arrivé. Parce qu'en fin de compte, les journées sont longues, le tournage est difficile. C'est long au niveau du tournage? C'est simple, 1h30 que vous voyez à la télé, c'est 16 heures de tournage pour vous. C'est deux journées en une alors. Alors, au début, les deux premières émissions, on était 14 candidats. D'accord. Donc, c'était une épreuve par jour. Après qu'on est passé à 12, c'était un jour, on faisait Cyril le matin, Mercotte après-midi. D'accord. Et le deuxième jour, on faisait la créative. Mais c'est plus long aussi, la créative. Voilà. Même physiquement, je pense que tu ne peux pas. Une simple dégustation, quand on n'est pas devant Cyril et Mercotte, une dégustation, ça dure à peu près 15 minutes, 20 minutes par candidat. Pour vous donner une idée du temps. Et puis même dans l'émission, c'est.
quoi. Bah oui, voilà. Non, mais à la télé, il y a 10% qui passent. Bien sûr. 10%, c'est très long, ouais. C'est vraiment fatigant. Donc en fait, ça dure vraiment une semaine, une émission ou non? En tournage? Oui. Ah non, 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 non. Parce que comme on fait une émission en deux jours, donc sur une semaine, en fin de compte, on fait deux émissions. D'accord. Voilà. Oui, d'accord. Et au milieu, on case des fois une masterclass avec un chef invité, parce que c'est pas dans l'ordre chronologique. Les chefs ne sont pas forcément disponibles, ils ont un métier, ils ont des obligations. C'est quand eux ont le temps, bien sûr. Voilà, parce qu'il m'est arrivé que le tournage soit fini, la finale jouée, et on fait des masterclass au mois de juin. Ah, oui, il s'est arrivé sur eux. En fait, vous revenez. On revenait pour faire les masterclass, ouais, tout à fait. Et au niveau des candidats, on ne peut pas fâcher n'importe qui. Oh non, non, les choses sont les choses. On est des humains, on a des amis avec certains, parce un peu moins avec d'autres. Que vous êtes quand même assez unis. Bah, c'est comme une colo, on est les uns sur les autres pendant 24 heures, bon, après on crée plus d'affinité avec quelqu'un qu'avec d'autres. Moi, mes coups de cœur, c'est simple, c'est Jelza, Baptiste et François. C'est mon tiers, c'est gagnant. Ça, on est vraiment des amis maintenant dans la vie, on se parle tous les jours, on est en contact chouette. Tous les tours. Donc voilà. C'est une belle rencontre, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est bien. Voilà. Ok, mais je te remercie. C'était avec grand plaisir, Élodie, avec grand plaisir. Franchement, il est super, et puis continue de le regarder sur le meilleur possible, c'est bon pour terminer. Non, d'ailleurs, le gagnant. On ne peut pas savoir. Je ne sais pas. Bip, j'étais pas là. J'étais pas là. J'étais pas là. Oh non, me dis pas que tu n'étais pas. Non, j'étais pas là du tout, moi. Ni la première émission, ni la deuxième, j'étais pas là. Pour connaître le résultat. Tu m'as dit que tu avais vu Charlie avant, à la finale. Oui, mais non, mais. Est-ce que tu étais parmi les finalistes ou pas le dire? Ah, ça, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Sinon, les avocats d'M6 me tombent dessus. Oui, carrément. Donc, on ne veut pas savoir. Non, je ne peux pas. Eh bien, merci, maman. Bah, avec grand plaisir. Franchement, merci à toi, Élodie. Voilà. Voilà. Le vlog est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, de rencontrer Momo du meilleur pâtissier, ça a été un super moment. Je te remercie encore Momo si tu vois ce vlog. Ce qui m'a déçu au niveau du salon, c'est qu'on m'avait dit qu'il faisait 3 étages. Donc l'année dernière, il était très très grand. Là, il n'y avait qu'un étage. Alors c'est vrai qu'il y avait des belles choses, il y avait des belles expositions. On a pu croiser pas mal de pâtissiers professionnels. Après, c'est vrai qu'on ne les voit pas dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de monde, c'est difficile d'accéder. Il y avait Nina Métayer, il y avait Philippe Conticini, Benoît Couvrant, Christophe Felder, pardon, Christophe Adam. Mais voilà, on ne les voit pas dans la vidéo parce que j'ai eu du mal à... Je les ai vus de loin, mais je n'ai pas pu vraiment m'avancer parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et vraiment, ce salon, les choses aussi qui m'ont un petit peu déçue, c'est que je m'attendais à voir les deux marques avec lesquelles je travaille le plus souvent, donc c'est-à-dire le chocolat qui commence par la lettre B et l'autre qui commence par la lettre V. Donc les professionnels et ceux qui connaissent un petit peu le chocolat vont savoir desquelles marques je parle. Je voulais leur poser plein de questions concernant leur sélection, etc. Au final, je n'ai pas pu parce qu'ils n'étaient pas présents. Et ce que je m'attendais à voir, c'était vraiment des concours sur des pièces époustouflantes, un petit peu comme dans... le salon de la pâtisserie, il y avait des pièces qui confectionnaient devant vous, c'était vraiment génial.
Là, au final, ça n'y était pas. Donc, c'était le petit point où je vais dire j'étais un petit peu déçue. Il y avait par contre des très belles expositions au salon le jour J. C'était vraiment super, c'était très beau à voir. Mais voilà, c'était juste ça, le petit point où j'étais un petit peu déçue. Mais c'était vraiment un très beau salon. En tout cas, les toqués, le vlog est terminé. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du vlog. Mettez plein de pouces bleus, puis n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore déjà fait. Je remercie encore Momo, qui est vraiment une personne extraordinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!